Bien, salut à tous les amis, c'est Zonatix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consistera à vous montrer les meilleurs villages HDV5 de type défense hybride et farming. Donc ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, environ 2-3 mois. Donc j'espère que ça vous fait plaisir d'entendre de nouveau ma voix, parce que moi, je suis content de vous parler. Donc voilà, petit coquin. Donc on va se parler du village de type défense là. Excusez-moi, mon portable, j'ai reçu un message. Voilà, donc on va quand même essayer de protéger les ressources. Donc au milieu j'ai placé le petit mortier. Le mortier est très important à bas level car il fait très très mal pour les barbares et les archers. Donc ensuite le petit trampoline pour faire rebondir les assaillants tels que les géants, qui sont très très utilisés maintenant parce qu'ils sont assez, ils sont assez cheatés quand même, on va pas se mentir. Passer un certain level, on va dire 5, c'est déjà pas mal. Ensuite moi je lisais level 6, c'est pas mal pour farm. Donc dans les quatre coins vous mettez les cabanes. Ensuite tout autour vous allez disposer ce qui reste, c'est à dire labo, extracteur, mine, qui vont essayer de ralentir un maximum l'ennemi. Car c'est un peu le but. Donc voilà. Ensuite on finit avec les derniers petits pièges tels que les pièges aériens, terrestres. Donc je trouve que la tour d'archer est assez bien placée. Donc on continue avec le village de type farming. Nous revoilà avec le village de type farming. Donc c'est très simple, on va placer, comme vous le savez, la défense qui fait le plus mal, c'est-à-dire le mortier au milieu. Donc on va essayer de protéger maximum vos ressources. Donc c'est le but du farming, donc l'or et l'élixir. Donc on va disposer tout ceci comme cela, en mettant la défense anti-aérienne. Donc il faut savoir que pour passer les tours d'archer level 11, c'est 4 500 000. Donc là il m'en reste 2, donc c'est assez chaud. Je crois que c'est 6 jours, je me rappelle plus. Et voilà, je suis content, il y a quelqu'un qui m'a donné un bouclier un level 120. Je sais pas pourquoi il m'a pas attaqué, ben c'est tant pis pour lui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là on passe notre petit HDV à l'extérieur. Donc on va disposer ensuite quelques pièges. Parce que un HDV ça se mérite, une étoile ça se mérite, vous le savez bien, ça se mérite. On va pourquoi pas gagner des étoiles, faire un petit village farming en même temps rush, c'est pas mal. Il y en a certains qui le font, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand je venais de commencer, j'attaquais assez haut, donc j'avais attaqué un HDV 9. Qu'est-ce que je vois qui se lève? 4 Tesla level 7, oh yeah, mamma mia, c'était du lourd. Ah, j'ai pas fait une étoile quoi, je me suis fait défoncer. Donc voilà, ensuite on place les petites défenses, au cas où ils essaient de rush la défense anti-aérienne. Donc on se retrouve pour le village de type hybride qui mélange à la fois la défense et le farming. Donc on place au centre notre petit HDV 5, pour ma part il est level 9, donc on imagine qu'il est level 5. Ensuite on place notre petit château clan pépère. Donc quand on est bas level, je vous conseille de venir dans un clan assez fort, assez productif, qui pourrait vous donner des défenses. Donc sous ce, en parlant des clans, je ferai bientôt une vidéo pour faire un peu de pub pour le clan où je me trouve. Donc si vous voulez le rejoindre, il n'y aura pas de souci. Donc il y aura peut-être à respecter, il faudrait pas non plus voilà quoi, venir en mode HDV 10 et rempart en bois. Donc ça va pas le faire, tu vois. Vous voyez un peu ce que je vais vous dire les gars, vous voyez. Donc voilà, donc ensuite je trouve que par rapport au tour d'archer et les canons, les ressources sont assez bien disposées. Donc sur ce, pour ceux qui vont utiliser le village, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, parce que voilà quoi, il y a quand même du boulot derrière. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais arrêté la série, je suis très content de la recommencer.
ça démarre lentement mais sûrement. Voilà. Donc on a fait une tour de sorcier. On la place à côté de la GV. À bas level, ça fait mal. Une tour de sorcier, un mortier, ça fait mal. En plus, la mise à jour qu'ils ont fait sur les tours d'archer là, c'est devenu des sortes de mitrailleuses qui tirent 3 balles à la seconde. Donc c'est une façon de parler. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis très 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 bien amusé. Sur ce, moi, je vous dis à plus. Oh yeah.